Bonjour à tous et à toutes, c'est Liquidosot 666 pour une vidéo un petit peu particulière. Donc normalement c'est l'épisode 11 de Dark Souls 2, mais ça va juste être le préambule entre guillemets. Vous pouvez voir que je suis pas du tout l'endroit où j'étais la dernière fois, rassurez-vous, je n'ai absolument rien fait sauf venir ici. C'est après qu'on ait vaincu le poursuivant. J'ai suivi un guide en fait qui s'arrête exactement à l'endroit où j'en suis sur internet pour voir si j'avais pas raté des trucs. Donc ça a récapitulé tout ce que j'ai fait. Sans compter le truc avec les rats et autres. Et voici ce que j'ai raté. L'armure de Drangleic, ce qui est quand même la classe. Et ce lieu étrange qui est en fait juste ici, d'accord. Voilà. Voilà, premièrement, hein, ce que j'ai raté, donc que j'avais envie de rattraper. Mais ça, je voulais quand même le montrer en vidéo parce que je trouvais ça. En fait, au début, je pensais que c'était juste à l'endroit où il y avait le poursuivant. Je me dis, c'est dommage de le montrer en vidéo, mais là, c'était un peu plus caché quand même. Voilà, et l'autre partie que j'ai ratée, qui est assez rigolote aussi de ce que j'ai lu, juste voir l'épée de Drangleic, ce que ça peut être. Épée de Drangleic. C'est quoi ce truc? Ouais, c'est. J'ai pas assez de. Ouais, bah je vais quand même garder l'épée royale, mais ça avait l'air pas mal. C'est juste que là, je peux pas m'en servir, j'ai pas assez de. De comment ça s'appelle? Putain, faut que je trouve le mot. Faut trouver le mot. De dextérité. C'est ça. Donc là, vous pouvez aussi vous demander où est-ce, pourquoi je reviens ici. Parce que le fameux feu. Il y a plein de feux en fait dans cette zone. Je savais pas comment y aller. Et ben, je sais comment y aller maintenant. Oh. Ah bah c'est bon. Si on peut casser ça comme ça. Autant arrêter de m'emmerder avec ce cadavre. Putain, tout ça pour un crâne élégant en plus. Je te jure. Je te jure. Bon alors. Le feu qu'il y a ici. Enfin dans ce coin là. Pour le récupérer. Je vais vous montrer comment on fait. Il y a des feux partout. Hein, vraiment à cet endroit là c'est un truc de ouf. Le mur là il est fissuré. Alors vous prenez un arc. Vous lui dites, eh monsieur. Et il fait tomber, rouler, rouler, rouler. Et là, ça ouvre le chemin. C'est quand même ouf, hein. C'est quand même ouf. Voilà, c'était juste pour ça. Donc bon, on va continuer un peu ce chemin-là. Même si apparemment, à part un forgeron, il n'y a pas grand-chose. Bon, moi je vais te piquer tous tes coffres. Des fragments de titanite. Des flèches. Carreau lourd. Et grand fragment de titanite. Voilà. Bah, je vais retourner à Majula et je vais mettre en pause cet épisode. Hein. Et la suite, ce sera quand est-ce que je saurai où aller. Mais voilà, c'était juste un petit préambule à l'épisode parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait ça. Ça avait l'air assez intéressant à trouver. Et voilà, autant vous en faire profiter.
Allez, à tout de suite. Moi, je cherche une solution. Me revoilà. Et là, je sens en fait, j'ai envie de jouer au jeu. C'est con. Même si j'ai pas trouvé de solution, parce qu'apparemment, les walkthroughs sur internet, les guides et tout s'arrêtent à peu près au stade où j'en suis. Mais j'ai envie de me balader. Et je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire dans l'épisode précédent. Mais avant, je vais retourner quand même à ce beffroi de la lune. Et je vais fouiller ce beffroi. C'est quand même, quand t'affrontes des gargouilles, c'est pas pour le lol. J'ai dû rater un truc. J'ai dû rater un truc. Donc on va fouiller un peu plus le beffroi. Et si je trouve rien, on va aller voir les deux trolls près du début du jeu qui m'ont donc sauvagement tué. Donc on va pas aller là parce que là je sais qu'il y a rien. Enfin, y a une amélioration des suites, parce que je pense pas que t'affrontes un boss aussi violent que ces saloperies pour une augmentation d'astuces. Par contre on peut pas remonter, pas sympa. En même temps, tu vois bien qu'il n'y a pas de chemin, t'es pas con, les quids. Tu vois bien que là, il y a juste des gros chiens. Ils t'attaquent tous en même temps, comme des gros chiens, justement. Putain, je l'ai esquivé celui-ci, j'ai halluciné. Alors. Apparemment, il n'y a vraiment rien ici. Non, mais pas descendre, on va aller au feu. Et on va se retéléporter chez nos amis. Les femmes en rouge, peut-être qu'elles vont nous dire où aller. Les gardiennes du feu. Ah, mais c'est elles! C'est les gardiennes du feu! D'accord, en fait s'il n'y avait pas eu le nom du truc, j'aurais pas réalisé que c'était des gardiennes du feu. La grosse honte. Mais bon, c'est comme ça. D'accord, vous êtes très utiles les pauvres vieilles. Bon allez, on va taper les deux monstres là-haut, là-bas, pardon. Ah oui, aussi ici, il y a nos amis les corbeaux. Vous savez, dans chaque Souls, il y a des corbeaux à qui on peut parler, et voilà. Ils sont là. Ah non, pas chez moi. Ah oui, voilà. Voilà, et là je me suis dit, file-nous du soyeux, file-nous du soyeux, et ben moi je veux juste savoir ce qui se passe quand je vous donne une... On va en laisser deux pour voir, non pas six, deux, comme ça, si ça foire. Ah. Ça ne marche pas comme ça, mais pourtant c'est doux et soyeux, je peux vous les donner qu'un par un. Je voulais pas l'utiliser, mais c'est pas grave. D'accord, ça redonne des PV cette merde. Donc là, tu quittes le jeu. Donc ça, c'est je vous explique comment faire. Donc on peut pas donner plusieurs à la fois, on peut en donner qu'un par un. Ça se trouve, il peut faire, alors, peut-être que l'échange qu'une seule fois.
On va se mettre un peu hors ligne pour voir si ça marche. Parce que j'ai pas éteint la console en fait depuis le début des enregistrements, je sais plus quel épisode, et donc je m'étais pas connecté au PSN. Apparemment il veut toujours pas. Donc on va démarrer hors ligne. 17 heures de jeu, bon bien entendu ça n'a rien à voir avec mon vrai temps de jeu, qui doit plutôt être proche des 12h, 13h. Ah non, peut-être moins. Attendez, il y a 2 heures qui ont sauté hier. J'ai 4 ou 5 heures de moins que ce qu'indique le jeu. Donc, je vais être pas loin des 13 heures. Pourtant, je suis qu'à l'épisode 11. J'ai pas fait beaucoup d'épisodes plus longs qu'une heure. C'est bizarre. C'est très bizarre. Pierre de force sous-jacente. Voilà. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Mais j'en ai une. Toi, on va voir si j'y suis. Et maintenant, mes amis, les trolls, je peux vous défoncer la gueule. Ouais, pas tellement quand même. Hein. Il va falloir faire attention quand même. Hein. Il y en a deux. Ils font du catch apparemment. Et là, il me tue. D'accord. Oh putain. Et non, j'ai disparu pendant que tu me mangeais, garçon. Ils sont violents, en fait. Et leur peau, on dirait des tatous. C'est trop mignon. Trop mignon. J'aime les choses mignonnes. Putain, vous savez que depuis que j'ai commencé à tourner, donc à partir de l'épisode, je pense, le 7, donc 7, 8, 9, 10, 11, je n'ai pas tourné tant d'épisodes que ça aujourd'hui, en fait. Cet après-midi. Eh ben... J'ai une grande question en tête, c'est demain midi, est-ce que je mange un grand Chicago ou un M? J'ai jamais goûté le M, j'ai très envie de le goûter, mais le grand Chicago, il a un truc, j'ai pas eu le temps de tout saisir. Un seul sandwich, ça a pas suffi. Et j'ai trop envie de le regoûter. Donc ça me perturbe énormément, voilà. Je tenais à le dire. Je suis très très perturbé comme garçon. Puis les deux en même temps, quoi. Les deux en même temps, ils te défoncent la gueule. Hein. C'est comme ça. Eux, les chances équitables et tout, ils connaissent pas. Leur but, c'est de te faire mal. Taper dans le vide, c'est quand même assez rigolo. Je les ai quand même tapés que deux fois chacun. Mais j'ai peur à chaque fois, hein. S'ils me font la chope, je suis fini. C'est game over direct. Ah oui, aussi, je me suis carrément trompé de classe hein, au début. Je sais pas si vous avez remarqué le guide d'Exer, mais il conseille pas du tout la classe... que j'ai choisi, parce que c'est pas parce que t'as un bouclier que ta classe elle est bien déjà d'un. Ah maintenant ça va être beaucoup plus simple hein. Bon d'accord, alors tu vas pas me faire le coup du 1 PV et me tuer hein. Ça va quoi, t'es pas exerve. Et on va aller dans cette... Ah merde, c'est pas une barque, c'est un cercueil. C'est bien que... C'est que, pareil, contrairement à Dark Souls, quand il y a des trucs comme ça où on sait pas trop ce qu'il faut faire, s'il faut attendre ou pas attendre, bah au moins le jeu nous le lance direct.
J'ai trop peur de l'endroit où je vais arriver. Je suis en train de me dire, mais j'ai quand même peut-être fait une connerie. What? What the fuck? Non, mais c'est une blague. Ah, c'est très drôle, c'est très très drôle. Ça fait absolument rien. Oh là là. Putain, tu fais un combat énorme pour essayer de... En te disant que tu vas débloquer un truc, un nouveau lieu et tout, et non. Non, non, c'est juste un troll. J'ai quand même 4 feux à cet endroit. Macduff. On va prendre des niveaux. Bah écoutez, je suis très, très, très. J'hésite à utiliser l'épée là du roi. Ou l'épée de Dranlek. On va vraiment. Déjà, je vais prendre des niveaux. Attendez, attendez, réfléchis. On va faire un triple essai d'armes. Voilà, parce que les trois sont à côté l'une de l'autre. Donc, on va commencer par celle-ci, qui est mon épée bâtarde. Voilà. Déjà, on va comparer la taille des épées. Elles se valent toutes les trois, c'est bien. Celle-ci, c'est l'épée du roi. J'aime beaucoup cette épée, franchement. C'est pas mal. Ouais. Peu de pratique. Il faut courir maintenant, mon vieux. Ouh, ça c'est très bien ça. Et pour finir, hop. Très bien aussi. Celle-ci. Ouais. Ça c'est bien. R2. Oh, coup des stocks. Très bien, très très bien. Ah, c'est très tendu là entre l'épée de. En fait, j'ai l'impression que l'épée Tranglek et l'épée. Bon, l'épée de Ranglet et l'autre épée, c'est exactement les mêmes, quoi. À une main, du moins, c'est exactement les mêmes movesets. Donc, on va comparer à deux mains. Oblique, avec des magnifiques positions de main. Oh là là, ça, c'est classe! C'est très classe comme mouvement. Ah, c'est bon. Toi, en plus, t'as un scaling en dex, donc c'est bien. Ça, c'est très très classe. Pour le moment, je vais être honnête. Allez, donc, le choix va être entre la Dranglet Sword et l'Espadon Royal. Déjà, toi, t'es éliminé. Ensuite, on va juste partir des statistiques. La Dranglet Sword fait beaucoup plus de dégâts. L'Espadon Royal fait des dégâts de saignement. La Dranglet Sword est beaucoup, beaucoup plus légère. Ah non. Non, non, elle est pas plus légère, en fait. Elle est plus lourde. Mais elle a des meilleurs scalings. 25-20, j'ai les deux stats qu'il faut, par chance, puisque j'ai 28-15. Donc là, j'ai pas assez pour avoir 20. Donc pour le moment, on va rester sur l'épée bâtarde. Mais on va préparer notre Dranglet Sword petit à petit. Je pense qu'on va rester sur ça, en fait, hein. Sauf si je trouve une clé mort et que finalement la clé mort elle est mieux. Là, j'ai que de quoi prendre deux niveaux. Je vais me bouffer des âmes. Je les ai déjà toutes bouffées, je crois. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Excuse-moi, excuse-moi. Après, quand j'aurai 20, on verra quelle est la mieux en termes de dégâts. On n'y est pas encore. Ah, mais j'étais vraiment connecté au PSN. Bon, je vais être honnête.
Ça, de toute façon, c'est des boss du début de jeu, donc on va dire que si j'ai besoin de, entre guillemets, d'utiliser leurs âmes pour faire une arme, ça sera plus tard. Putain, il m'en faut encore en fait. Il m'en faut, ouais, il me faut encore deux niveaux là, il me faut 20 000 âmes à peu près, ça serait bien. Putain, j'ai failli la taper avec ma touche R2 qui déconne. C'est pas bien ce que je fais. Là, je fais que les boss qui sont rapides à voir parce qu'après il me restera Rammstein. Voilà, Rammstein. Le reste, ça commence à être des trucs un peu chiants à voir. Donc on va. Voilà, parfait. Là, j'ai 5 000 pour améliorer mon épée à fond. Déjà, on va juste voir d'un pur point de vue dégâts à la base. Regardez, 287. Je suis déjà à 282. L'arme n'est pas encore améliorée. Et c'est une arme qui a... Mais c'est genre une arme trop bien. Comment j'ai pu la rater, quoi? Depuis le début du jeu, j'aurais pu l'avoir. J'aurais pu tout faire pour essayer de l'avoir. Elle a vraiment très bien. Mais non, il fallut que je merde. Ah, il faut des utiliser. C'est à la titanite scintillante, bien entendu. Sinon, c'était pas drôle. Bah, c'est pas grave, hein. Ah merde, je peux prendre qu'un seul niveau avec. Et ça, c'est au fragment de titanite. Écoutez. Écoutez, on va voir, hein. De toute façon, c'est mon premier run, je peux me permettre de perdre de l'argent. Faut un peu... Comme ça, je vais être polyvalent, on va dire. Voilà, les plus 4. Alors, on va voir ce qui est le mieux entre toutes ces belles armes. Là, je suis à 302, 251. Ah oui, ça, c'est de la vraie merde, en fait. 296. Donc en gros, ce qui est mieux, c'est le truc que j'ai amélioré qu'au niveau plus 1. Yeah! Nouvelle arme! Ça, c'est cool par contre. Hop. C'est quoi le maléfice de cette arme? Il y a un truc maléfique, c'est obligé. Non. Bon. Alors, où est-ce qu'on va aller maintenant? Hein? Où est-ce que je peux aller? Je sais pas où aller, c'est vraiment pas. On va retourner là, on va voir s'il n'y a pas des trucs que j'aurais raté dans le dépotoir. Juste par curiosité. Déjà, ce que j'aime bien pour commencer, c'est qu'elle a des caractéristiques similaires avec l'épée bâtarde, c'est qu'elle stunlock. Et ça, c'est bien. Elle one-shot aussi ses ennemis-là. À une main, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Bon, écoutez, on va pas s'emmerder avec la torche. Non, mais regardez-moi ce moveset de taré, quoi. Tu sors d'où, toi? J'aime tellement pas cet endroit. Bah, à un moment, t'es obligé de fouiller un peu, quoi, parce que...
Non, toi tu veux pas te casser? Bah je te casse pas alors. Grand seigneur le mec, hein. Ça fait un peu comme les méchants dans les films. Tu veux pas mourir? Allez, je te tue pas, je suis gentil, grand seigneur. Je tue toute ta famille, mais toi tu ne mourras pas. Je t'aime trop. Ah, qui le veut? Regarde tout. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson en tête. Attention mec, je vais te sortir mon moveset de la... Le moveset de la beauté intérieure. Carrément. Par contre, ça bouffe énormément d'endurance. Cette arme. Si j'ai pas envie d'aller là, hein? Tu as pensé à ça si j'ai pas envie d'aller là? Et ouais. Peut-être que je veux récupérer l'objet qu'il y a là avant. Mais ouais, mais maintenant je regrette. Parce que cet objet qu'il y avait là, c'est de la merde. Hey, j'ai trouvé comment aller au deuxième feu. Bravo. Même pas, tu me fais mal. Même pas, tu crois me faire mal. Vas-y, tu peux le faire. C'est au cul. Putain, c'était au pixel près, quoi. Ce sera nous dès ce soir. Ce sera à nous de le vouloir, ce putain de feu. Et dans un cul-de-sac. Mais pourquoi? Pourquoi? Crève! On va tenter le grand saut. Le saut qui est passé. Aussi surprenant que cela puisse être, je vais garder la torche. C'est aussi un autre cul-de-sac. Il est où le putain de chemin? On va encore aller au feu. Par un chemin raccourci. Qui donne l'envie de crever. C'est tellement beau. L'âme. C'est tellement ça. L'amour. J'ai pas envie d'aller me coucher, putain. C'est quoi cette tard? Demain je travaille. Tout demain soir j'ai des horaires de merde. En fait j'ai les pires horaires que vous pouvez avoir à McDo. Enfin du moins dans mon McDo. C'est des horaires où vous êtes forcément en salle, en train de faire le ménage, pendant 4h30 d'affilée. C'est des horaires qui donnent envie d'aller travailler. T'es pas bien, tu sors d'où? Putain, je crois que j'allais me casser la gueule. Bon, on va retourner à l'autre des... Ah mais... Il y avait un mur qui était cassable. C'est cool. Non, je veux allumer la torche. Allumer la torche. Allumer la torche. Je vais mettre le feu à toute cette putain de zone. On y verra de loin. On va pas descendre parce que bon, la zone du bas, voilà, vous la connaissez. Hein? On la déteste tous. Couchez le chien! Couchez! Putain, avec les mouvements sur les murs, ça me fait... Ça me donne la... Comment ça s'appelle? Non, pas la berlue, mais c'est pas loin ce que je viens de faire. Ça me donne... Le motion sickness. Bon, j'espère que demain, IGN aura mis à jour
leur soluce, parce que là, moi, je suis perdu. Et je suis pas comme les gens qui se vont s'acharner sur une zone qui n'arrive pas. Pour moi, là, que ce soit. Bah, en avis, le boss scorpion. Ah non, mais en fait, c'est ouvert depuis le début ici, ou c'est une fois que. Ou genre, tout à l'heure, je l'avais juste raté à chaque fois, quoi. Cet endroit est vraiment étrange. Tu le sais ça, petit scarabée? J'ai trop envie de taper dedans. Tu t'en fous? Ah si, t'as de la vie. Bah je vais te tuer. T'en as rien à faire. Je te tue, t'en as rien à faire. Qu'ai-je fait, Seigneur? Tout ça pour une petite mousse toxique. J'ai tué une bestiole dégueulasse pour de la mousse toxique. Eh ben, je ne regrette rien. Bon, apparemment, par contre, une fois qu'on est arrivé ici, on peut plus remonter. Donc, on va retourner manuellement. Ce qui n'a rien à voir avec Manuel Valls, hein, bien entendu. Et voilà, c'était la vanne de merde. On va retourner en se téléportant, d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout manuellement. Je tiens à le dire, au premier feu. Et on va continuer à fouiller cette zone, qui n'est pas assez fouillée à mon goût. Et après, je pense que si d'ici demain, je vois pas la solution, on ira se faire le scorpion. Parce que je pense quand même que la femme scorpion, ça sera un boss plus simple que ce putain de chemin où les monstres me one-shot. J'aimerais bien aller récupérer l'objet qui est là, je suis sûr qu'il est inutile, mais j'aimerais quand même bien aller le faire. Juste histoire de. C'est tout ce chemin-là que j'ai vite laissé tomber aussi, mais je pense pas avoir fouillé à 100%. Tu m'en diras des nouvelles, comment c'est en bas, hein? Malin ce petit coup, hein. Ça, c'est d'une vivacité, c'est magnifique. Ah oui, c'est vrai que ces trucs me one-shot. Enfin, me two-shot. Franchement, le. À deux mains, la vitesse de ce coup. Vraiment. Je regrette pas mais mon investissement en âme de boss, malheureusement. Mais voilà quoi, c'est. Oh, sanguinaire, ça avait l'air cool comme arme. Voilà, c'était bon, des petits boss, hein. Le boss du début de jeu, j'ai quand même gaspillé 30 000 âmes, à peu près, en âme de boss. Tu l'aimes, mon épée, dans tes fesses? Bien entendu, sorti de son contexte, cette phrase serait totalement désobligeante. Toi, tu meurs. Non, en fait tu meurs pas. Meurs maintenant. Enfin, je crois qu'ils sont programmés pour nous enlever la moitié de notre vie ou quoi? Parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'ils m'enlèvent pile la moitié de notre vie.
J'ose pas le faire ce saut. Faut quand même le tenter, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est l'habitude de Dark Souls, le premier du nom. Hein. Dans le premier, vous tentiez pas un des sauts comme ça. Hein. Honnêtement. Vous dites, dans le premier, vous dites non, mais je vais crever. Hein. Oh, dans celui-ci, c'est aller tranquille, je te passe ça, moi, mais. Finger in the nose. Aïe. Bah, si vous détruisez vos propres alliés. Non, mais toi, t'es pas mort. Ça, je sais bien que ça a pas la tête d'un allié, mais quand même. C'est pas une raison. Vous avez rien fait, cette petite. On va éviter de mourir bêtement, hein. Putain, c'était ça le chemin pour aller récupérer ces objets-là? Bah, dis donc. Je suis sûr que c'est un objet de merde. Une gemme de vie, merci! J'en ai que 13, hein, finalement. Maintenant, avec mon astuce, je commence à avoir tellement d'astuces que je peux me permettre, quoi. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Hop, allez. Au revoir! Ah, la sortie de roulade est pas bien passée. Attends, mec, j'ai pas de bouclier, sois sympa. J'ai l'impression d'avoir perdu genre un petit centimètre de portée. Ça peut paraître con, mais j'ai l'impression que c'est le petit centimètre qui peut te faire très mal. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui! Voilà, c'est verrouillé, merci. Hop, on va éviter l'empoisonnement. Voilà, ça s'est fait d'une belle façon. J'aime bien le fait qu'on les décapite vraiment, ces trucs à la con. Il vient douce. Il y a plein de chemins. C'est pour ça que je vais allumer, au moins je verrai les endroits auxquels je suis allé, ceux auxquels je ne suis pas allé. Eh oui, le bois vole, c'est bien connu. C'est quand même dingue, c'est que prendre son épée à deux mains, ça casse la torche. Par contre, grimper des échelles, non. C'est-à-dire que le mec, il peut mettre une torche enflammée dans sa poche, il n'y a pas de problème. Par contre, pour grimper une échelle, par contre, la mettre dans sa poche pour se battre à deux mains comme un homme, il peut pas. Ça. Ouais, bon, je voulais le tenter. Ça dénote quand même une certaine faiblesse d'âme, hein. Par contre, vous savez ce qui est vraiment bien dans le jeu, c'est d'être dans un putain de marais qui ne lag pas. Ça c'est bien par contre, ça c'est très bien. T'es pas bien toi? Surprendre les gens comme ça, tu veux mourir? Toi et mon frère, Ashtat. Pardon? Toi et mon frère, Ashtat. Je sais pas où je suis. Je me balade. D'accord, je suis ici. Non mais il y a un petit trou dans le plancher. Ce putain de chien me fait passer à travers. Tout ça parce qu'il avait une sale tête et que je voulais taper dedans, quoi. Allez, chien, je te jure. Mais là, je comprends pas. Il y a tellement d'endroits où je suis pas allé et je vois pas comment y aller.
Ah, ça te fait bizarre hein, quand je pars ton attaque. Hein. Depuis tout à l'heure, tu t'y allais. À chaque fois qu'il vient, je bouffe un bout de son lard. Mais t'avais pas pensé que... Ah bah merci quoi. Là bah l'accueil. Non mais l'accueil. Fallait pas rater Bibi toi. L'autre il se croit où, aux Jeux Olympiques avec sa torche? Non mais c'était pas le mouvement qu'il fallait faire du tout. Celui-là non plus d'ailleurs. Celui qui porte la torche ici, c'est moi. Je sais pas où je dois aller. Tout à l'heure, il y avait des lueurs bleues, elles étaient à peu près par là. Hé hey. Comment on monte là-haut? Genre, cette planche me donne une trop mauvaise idée pour que ce soit une bonne idée. Ah oui, en fait, j'ai remarqué que depuis tout à l'heure, j'avais plus mon arc là. Ah, l'arc marin. Sinon, je peux sauter de toi en toi. Non, je peux pas. Comment qu'on va là-haut? Je sais. On va repartir de zéro dans cette zone. Ce qui est le problème de cette zone, c'est qu'on peut pas repartir de zéro. Donc, allez, on gaspille encore du retour. Oh là là. Je sais pas depuis combien de temps je tourne cet épisode. Déjà 42 minutes. Et je sais toujours pas où je vais. Hein. C'est les épisodes un peu balades. Les épisodes balades, voilà. Il est fier de sa connerie. On va aller à l'entrée de la tombe des saints. On s'est battu contre l'avant-garde du roi des rats, de manière très 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 simple. Parce que c'est quand même le chemin le plus rapide. C'est ça qui est fou, c'est que... Allez, ici. Courir jusque là-bas. Putain, et l'armure de Dranglek, elle ressemble à quoi en fait? Oula, mais c'est une armure super lourde. Wouah! Elle est lourde, mais elle est classe. Et le casque... Ah non, elle a pas de casque, l'armure de Dranglek. Donc là, on tombe ici. On tombe là. Là, on retente bien entendu le saut hein, qu'on tente à chaque fois et qui passe jamais. Là, on régénère vite sa vie. Avant que ces connards explosifs nous envoient mettre plein la gueule. Mes roulettes sont trop lourdes. Et voilà tout le chemin à refaire. Non mais là faut que je... Les prochains niveaux j'améliorerai mon... La quantité de poids que je peux porter parce que là... J'ai vraiment pas assez quoi. Je suis beaucoup beaucoup trop lourd. Donc en fait comme on l'avait vu à la fin de l'épisode 4 je crois. Les roulades ce qui est vraiment important. C'est pas la vitesse à laquelle vous faites la roulade. C'est important. Là c'est un problème. C'est...
Oui, je suis passé à 70%, mais c'est cet arc hein, qui m'a fait passer à 70%. J'avais pas rodé. C'est trop tendu. Alors, on va reprendre l'arc quand même, parce que ça peut être toujours être utile. Par contre, voilà. On n'a pas besoin de casque, on est un warrior. Enfin, une warrior. J'ai l'impression que cette chute nous fait beaucoup plus de dégâts que celle-ci, alors qu'elle est plus courte que celle-ci. C'est pas du foutage de gueule du tout, ça. Allez, on refait le saut. Ah oui, d'accord. J'ai pas remarqué que j'étais vraiment terriblement moche. J'ai l'impression que le mec il est trop là, genre viens me faire un câlin. Mais non, je ne veux pas. C'est pas le bon chemin. Alors vous vous dites, mais comment il fait pour différencier le bon chemin du mauvais? Bah le bon chemin il a pas cette petite lumière bleue au fond du couloir. Voilà, c'est tout. Rien de plus compliqué, Andalousie. C'est fou. Putain, et moi il me suffit juste de dire couloir pour avoir cette chanson en tête, c'est ouf. A chaque fois que je dis couloir, je l'ai. Hein. C'est ça, la puissance de Francis Cabrel. Et ceux qui pourraient croire que je me moque de Francis Cabrel, pas du tout. C'est vraiment un de mes chanteurs, si ce n'est mon chanteur français préféré. Parce que j'aime pas vraiment la chanson française, donc... Les très bons, bah voilà, je les aime, mais c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de concurrence. Mais Francis Cabrel, j'aime beaucoup. C'est plus qu'une passion. Mais il recommence, hein. Vous allez cesser cette mascarade. Arrêtez de se casser à la gueule. Ah, mais je les avais pas vus, celle-ci. Fait déjà rien que là, je suis trop bas par rapport à ce truc à la con. Je trouve vraiment pas par où faut passer. En fait, je suis déjà juste au-dessus du feu. Donc en fait, faut vraiment partir de là. Ne meurs pas, s'il te plaît. Ça fait bizarre d'être un zombie, hein, vrai pour une fois. Allez, je vais aller tenter le saut dont j'avais peur. Quand même ouf, c'est que grâce ou à cause du stunlock, hein, question de point de vue. Tout à l'heure, il est passé sur là. Ouais, grâce ou à cause du stunlock, c'est plus simple. On a plus d'endurance pour se faire le monstre en bourrinant R1 qu'en utilisant à une main, je veux dire, qu'à deux mains. C'est quand même ouf. Ah oui, d'accord. Non, mais en fait, c'est simple, c'est que c'est une arme qui scale la dex, c'est pas la force. Donc l'augmentation des dégâts à deux mains est plus faible qu'une arme qui scalerait la force. Mais cette épée, je l'aime bien parce que on l'avait dans... Non, je dis n'importe quoi, c'était pas la même. C'était pas la même, c'était une autre épée qu'on avait dans la bêta qui avait exactement le même moveset. Mais quand je dis exactement, c'était exactement le même et c'était mon épée préférée de la bêta et j'ai totalement oublié son nom. Mais c'était pas la même parce que elle avait une garde particulière.
Comme je lui ai fait un backstab, mais totalement involontaire, c'était beau. C'est ça la beauté de ce jeu, c'est quand t'exploses des ennemis sans le vouloir. Je trouve ça beau. Lui, il va me saouler. Ça fait deux fois qu'il m'a avec ce putain de trou à la con. Il va vite me gonfler. En plus, là, je vais commencer à tenter des trucs totalement pas les guides. Totalement pas conseillés, mais c'est pas grave. 23h21. Demain, allez, ça va être le Grand Chicago quand même à midi. Et demain soir, je me ferai un REM. C'est con, on peut pas avoir les deux. Sinon j'aurais pu les comparer quoi, vraiment une vraie comparaison digne d'un statisticien. Avec R2 je peux le faire, ça passe. T'as l'autre, à l'atterrissage, le truc il te laisse pas une seconde de répit quoi. T'atterris, bam, goûte mon poison. Regardez, avec R2 ça passe, un coup, deux coups, 3 coups, 4 coups. Même pas, tu me fais mal. Pauvre de toi. Ce minus. Attends, je vais tout tuer avant de me soigner. Vite, soigne-toi, petit. Je veux dire, petit patriote. Mais ça n'aurait aucun. Ça n'aurait absolument aucun. Aucun. Aucune sorte de sens. Est-ce qu'il y a des tyroliennes dans ce jeu? Vous pensez qu'on peut vraiment y aller là-bas? Attendez. Ouh! Oh putain, mais je suis malade dans ma tête, je suis vraiment un malade. Mais toi? Je ne t'aime pas. Est-ce que ce monde est sérieux? On est d'accord, il y a un moyen d'aller là-bas. Putain, mais comment quoi? Comment, si seulement je trouvais. Ah, si seulement. En attendant, bah, je vais tuer tout ce que je crois sur mon chemin. Si tout ce que je croise ne me tue pas. Et oui, t'as fait ton erreur en m'attaquant, je n'attendais que ça! Tu ne le savais pas encore, mais tu étais déjà mort. Juste aller récupérer ça. Non! Mais non, j'ai dit qu'en tombant là, on pouvait pas revenir. Je lui ai dit. C'est fou. Bon, et bah hop, retour au dernier feu. Ouais. C'est comme si je n'avais rien fait. Merci. Tout ça à cause de ce putain de trou. En plus, je l'ai vu venir. Pourquoi je parle comme Francis Cabrel? Petite Marie, je parle de toi. J'ai pas les paroles. Ta petite voix. Des milliers de roses
Et je viens du ciel et des étoiles entre elles. Pourquoi j'ai pas toute ma vie? Pourquoi j'ai pas toute ma vie? Parce que j'ai pas... Je me suis tout simplement pas assis au feu, mais oui! C'est vrai que les eaux du retour ne nous considèrent pas comme étant assis au feu. C'est pas tard. Là, il y a vraiment un mystère dans ce dépotoir, hein, que je commence à illuminer tant bien que mal. Attention, laisse-moi reprendre toute ma stamina et tu es mort. 1, 2, 3, et si tu survis, le quatrième coup. Voilà, alors le quatrième coup, je vous invite à remettre la vidéo et à re-regarder ma stamina au moment du quatrième coup, et vous seriez extrêmement surpris de voir que je n'en avais que à peu près l'équivalent d'un demi de quart de cinquième de point. Personnellement, je pensais pas que le quatrième coup allait passer, en fait. C'était à ce stade-là, tellement j'avais pas beaucoup de stamina au moment du quatrième coup. Alors que là, on la voit un peu plus quand même. Hein. Non mais vous allez me casser les couilles. Jusqu'au bout, hein. Mais je vous déteste. Je vous déteste grave. C'est lequel encore? S'il me retouche pendant que je suis sur l'échelle. Ouh, j'ai peur. J'ai peur parce que je pensais pas qu'il allait le faire. C'est fou. En fait, la zone elle est toute petite, c'est juste que tu passes ton temps à tomber, grimper, remonter, redescendre, remonter, retomber. Mais toi, tu crois que je t'ai pas vu? Je voulais juste te laisser une chance. Tu ne l'as pas accepté, mais c'est... Est-ce ma faute? Je trouvais pas d'autres termes. Je suis allé là, je crois. Hein. Ouais, j'y suis allé. On va de ce côté-là, c'est tout vu. Maintenant, il faut juste que je trouve un moyen d'aller de l'autre côté. C'est quand même dingue hein, de pas trouver un chemin. C'est... Le seul contact que j'ai, entre guillemets, avec l'autre côté, c'est ici. Mais j'ai peur de faire une bêtise, en fait. Parce que on est d'accord que ça a carrément l'air... Non, c'est pas ça. C'est là, ça a carrément l'air d'un tremplin. Allez-y, quoi, sautez de l'autre côté. Et ouais, c'était ça, en fait. C'était carrément ça. Et puis tout à l'heure, j'ose pas. Alors qu'apparemment, je suis déjà venu ici, puisqu'il y a un cadavre que j'ai looté. C'est pour ça que j'aurais dû venir avec une torche et tout allumer pour savoir ce que j'ai déjà fouillé. Est-ce que je n'ai pas encore fouillé? Apparemment j'ai la tenue de pyromancien version Dark Souls 2. Apparemment j'ai aussi trouvé ma voie. Oh, je sais pas qui c'est qui m'a tiré dessus, mais... You missed, motherfucker. Et you missed again. Je l'aime trop cette arme. Franchement, ces mouvements-là, ils sont trop classe, même si ils sont pas très utiles. À un moment, voilà, il faut choisir entre la classe ou la classe, et j'ai choisi la classe. Et j'ai déjà trouvé. Je suis trop content d'avoir trouvé le chemin, en fait. Donc comme quoi, ne pas savoir où aller pour continuer l'histoire ne nous empêche pas de découvrir des nouveaux trucs dans Dark Souls 2. Enfin, dans Dark Souls en général, en fait.
Ok, tu fais beaucoup trop mal, toi. Viens, je t'attends en bas, t'auras une surprise. Maman est en haut, qui fait du gâteau. Papa est en bas, qui se casse la gueule dans les bois. C'est pas des bois, mais c'est pas grave, je me casse quand même la gueule. Mais au moins, je suis pas mort. J'ai cru que j'allais tomber dans le trou, en fait, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Ganesh 2 et l'analyse, allez voir, c'est très très drôle, très très bien écrit, très très vrai. Et c'est tout bénef. C'est tout bénef. Ça, tiens, je te casse ça. Ah non, toi je te connais. Toi tu fais des explosions en pétant. C'est moi ou je me suis juste coincé à un endroit? Non, ça va. Grand âge de bandit. Mais je l'avais pas déjà cette arme. Ah bah d'accord. On envoie comme ça des doubles. Il y a une tyrolienne ici. Je rêve, il y a vraiment une tyrolienne. Non! Kawabanga! J'ai grave pas envie de descendre d'ici là. Je suis trop bien moi là. Je suis tranquille, peinard. Assis peinard dans le bar. Pour revenir à un endroit où je suis déjà allé. Je sais pas où je suis. Apparemment, j'ai fait le tour de la ville là. Je suis pas du tout où je suis quoi. Je suis perdu maintenant. Apparemment, je suis au-dessus d'une certaine zone. Il y a un pont. D'accord, je suis là. Il reste plus que là en bas. Comment qu'on y va? Bah, je crois qu'on y va comme ça. Non mais il fallait pas tomber à côté, garçon. Le mec il dit tiens, j'ai le choix, soit je tombe sur la place, soit je tombe à 10 km. Je tombe à 10 km. Et là je pense que j'aurais fouillé la zone en entier. Donc je serais très fier de moi. Ça ne m'aura servi à rien. Juste à fouiller la zone en entier. Pourquoi pas, hein? De toute façon on s'arrêtera là à cet épisode-là. Et puis j'attendrai peut-être demain après-midi pour avoir la suite du guide de c'est quoi le site? IGN. Honnêtement, ça me ferait chier, mais bon. J'ai vraiment pas envie d'aller affronter des trucs trop compliqués, je sais pas. En fait, il est pas là le chien. En fait, j'ai tout simplement pas envie d'aller de me prendre la tête, donc. Donc voilà, puis un chien en moins, c'est toujours cool. On va quand même pas y aller sans la torche parce que au moins ça m'indiquera que j'y suis déjà allé. Non mais sérieusement, j'en ai marre d'être empoisonné, sérieusement. Rien à foutre. Poison, ça fait pas peur. Le poison, c'est dans la tête. En fait, il dure pas bien longtemps le poison. Regardez, une gemme de vie, ça annule l'effet du poison. Vous, je vous casse la gueule par principe. Est-ce qu'aussi je tombe au bon endroit? Ah non, faut que je prenne la torche. Faut que j'allume la torche. Hein. J'ai quand même passé 10 minutes avec la torche allumée à peu près. Même plus, hein, je crois que j'ai un quart d'heure. Donc en fait, les vidéos devraient terminer depuis 1 heure, c'est ça que c'est en train de me dire. Voilà. Éclat de titanite. En fait, ils sont en train de me dire, eh mais t'es con, cet objet t'aurais pu le récupérer avant d'aller là tout à l'heure. Oui, mais tu sais, moi je pense pas à tout. Bon. Apparemment, là j'ai vraiment fait le tour de la zone. Donc, un petit os du retour. Un retour à Majula. Et on attend malheureusement la soluce. Mais écoutez, hein, là vraiment, c'est pas de la mauvaise foi de ma part. C'est, je suis désolé s'il y en a qui savent, qui disent mais non, tu aurais dû faire le scorpion. J'ai pas confiance, hein, de ce contre. Je j'ai pas confiance de mes capacités pour le moment actuel contre ce putain de scorpion qui fait beaucoup trop de magie.
Donc voilà, si Hygiène me dit d'aller faire son scorpion, bah à ce moment-là, je réfléchirai à une solution. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Pour le moment, c'est vraiment pas d'actualité. Donc le scorpion, bah voilà. Par contre, j'ai totalement oublié tout à l'heure où est-ce que j'ai croisé un lézard. Ça, c'est bête. Ça, c'est vraiment bête. Vraiment bête. Pas très malin, le garçon. Allez, avec toutes les âmes que j'ai récoltées, on va encore choper des niveaux. Est-ce que ça va être des niveaux de vigueur? Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il est temps pour moi de quitter ce jeu pour la journée. Voilà. Sauf si Hygiène a mis la solution entre temps, mais je pense pas. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Désolé pour le manque d'avancement dans la partie depuis 3-4 épisodes déjà, quasiment. On n'avance plus, c'est comme ça. Hein. Faut que je trouve l'endroit où elle est. Et malheureusement, j'en ai aucune idée. Parce que j'ai peur du scorpion et j'ai peur de l'endroit. De l'autre endroit où je peux aller. En fait, je peux aller qu'à deux endroits. Hein. Il y a le scorpion et il y a l'autre. Et j'ai peur de l'autre et du scorpion. Voilà. C'était une explication claire et précise. Allez, salut à tous!